Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. J'espère que tout va bien. Seguimos con la aventura de aprender francés con el Principito. Hoy os voy a leer el segundo capítulo del libro Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, escrito en 1943. En este capítulo vamos a saber cómo el aviador conoce al Principito. Después os explicaré el vocabulario y la gramática. En esta lección veremos frases con el plus que parfait y le passé simple. Le plus que parfait se utiliza para expresar una acción que ocurrió antes de otra acción pasada. Por ejemplo, en francés. J'avais déjà mangé quand il est arrivé. J'avais déjà mangé. Esto es plus que parfait. En español sería yo había comido cuando él llegó. J'avais déjà mangé. Plus que parfait. Manger es pasado, porque si fuera presente se diría je mange. Manger es pasado. Et j'avais es imparfait. Mais j'avais mangé es plus que parfait. J'avais déjà mangé quand il est arrivé. Había comido cuando él llegó. Esto en español. Ahora, le passé simple se utiliza principalmente en la narrativa escrita para describir acciones terminadas en el pasado. Por ejemplo, en francés, il partit en voyage. En español sería se fue de viaje. Il partit es passé simple. Pero es mejor en la conversación cotidiana decir il est parti. Utilizar le passé composé. Il est parti en voyage. Porque el passé simple se utiliza para la literatura y la historia escrita que en la conversación cotidiana. Bienvenidos a clases de francés con la abuela. Empiezo con la lectura del segundo capítulo del libro Le Petit Prince. J'ai ainsi vécu seul, sans personne, avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. J'ai ainsi vécu seul, sans personne. J'ai vécu seul, es he vivido solo, sin nadie, sans personne, sin nadie. Avec qui parler véritablement? Véritablement, verdaderamente. Avec qui parler véritablement? Con quien hablar verdaderamente? Jusqu'à une panne dans le désert. Une panne es una avería. Por ejemplo, se puede decir, ma voiture est tombée en panne. Mi coche se averió. También se puede decir, une panne d'électricité. Une panne d'électricité es un corte de luz. Une panne dans le désert.
de Sarah il y a 6 ans, à ses 6 ans. Quelque chose s'était cassé. C'était cassé est plus que parfait. C'était cassé. Algo se había roto. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Algo se rompió en el motor de mi avión. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, ni mécanicien, ni mécanico, ni passager, ni pasajeros. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir. Je me préparais, es pasé simple. Pero no es muy importante que os la aprendéis, porque como ya he dicho anteriormente, le passé simple se utiliza principalmente en la narrativa escrita. En conversación cotidiana es mejor utilizar el passé composé. Por ejemplo, je me suis préparé y no je me préparais. Je me suis préparée à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Je me suis préparée. Me préparer, me dispuse. En español sería más bien me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Como podéis daros cuenta, la terminación cuando el verbo está en el passé simple, se termina con AI. Y cuando es passé composé, el verbo termina con E accent aigu. Je me suis préparé, es con E accent aigu. Passé simple, je me préparais, es terminación AI. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Era para mí una cuestión de vida o de muerte. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau. Apenas tenía agua. Agua de beber para 8 días. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. 8 jours. 8 días. De l'eau à boire. Agua de beber. J'avais à peine. J'avais es imparfait. Sigo con la lectura. Le premier soir, je me suis donc endormie. Sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Hein ?»« Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. Os lo vuelvo a leer. Le premier soir, je me suis donc endormie. Sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé. Sur un radeau, au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds
comme si j'avais été frappée par la foudre. Ahora os explico el vocabulario y la gramática. Le premier soir, je me suis donc endormie. Je me suis endormie, ou je me suis donc endormie, est passé composé. Je me suis endormie, me quedé dormido, o me dormí. Je me suis endormie, passé composé. Sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. 1000 milles es una manera poética de expresar una distancia muy grande. 1000 millas de cualquier tierra habitada. À 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé. Isolé es aislado. Más aislado que un náufrago. Plus isolé qu'un naufragé. Naufragé, náufrago. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau. Radeau es balsa. Un radeau, una balsa. Au milieu de l'océan. En el medio del océano. J'étais bien plus isolée. J'étais es imparfait. Isolé es un adjetivo. Aislado. Se puede decir aislado o aislada, ¿no? Entonces es un adjetivo. J'étais es imparfait. Estaba. Estaba más aislado que un náufrago. Alors, vous imaginez ma surprise. Ma surprise es mi sorpresa. Vous imaginez, alors vous imaginez es presente. Vous imaginez, imagínense mi sorpresa. Au lever du jour, quiere decir al amanecer. Lever du jour, amanecer. Quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Drôle de petite voix. Graciosa, extraña, vocecita. Me despertó. Elle disait, es imparfait. Termina por A-I-T. Elle disait, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Por favor, s'il vous plaît, dessine-moi, dibújame, un mouton, una ovejita. Aquí es donde se encuentra el aviador que tuvo una avería en el motor de su avión y estaba en el medio del Sahara, del desierto del Sahara, y se encuentra un hombrecito que es el principito, que le dice con una vocecita, dessine-moi un mouton, dibújame una ovejita. Y entonces el piloto, ¿eh? ¿Qué? Dessine-moi un petit mouton, dibújame una ovejita. J'ai sauté sur mes pieds, de un salto me puse de pie. J'ai sauté, es passé composé con el verbo avoir, j'ai. J'ai sauté del verbo saltar. Mis pies. Comme si j'avais été frappée par la foudre. J'avais été frappée, está en plus que parfait. Está con el verbo auxiliar avoir, que está en al imparfait, y el verbo frapper, que está en el pasado. Comme si j'avais été frappée par la foudre. Quiere decir, como si hubiera sido alcanzado por un rayo.
frappé par la foudre, es alcanzado por un rayo. Como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Foudre, rayo. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai frotté, es passé composé, con el verbo avoir. Et frotté, de frotar. Me frotté bien los ojos. J'ai bien frotté mes yeux. Mes yeux, ojos. J'ai bien regardé. Miré bien. J'ai bien regardé. J'ai regardé, también es passé composé. Con el verbo avoir, j'ai, y el verbo regarder. De regarder, de mirar. J'ai vu un petit bonhomme. J'ai vu, es passé composé. Con el verbo avoir, j'ai. Et vu, voir, ver. J'ai vu, passé composé. Petit bonhomme, es un muchachito, un hombrecito. Tout à fait extraordinaire. Realmente extraordinario. Tout à fait extraordinaire. Qui me considérait gravement. Me considérait está en l'imparfait. Termina con A-I-T. Qui me considérait gravement, quiere decir me observaba seriamente. Me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait. Et aquí el mejor retrato. Portrait, retrato. Que plus tard es más tarde, plus tard. J'ai réussi, logré. También es passé composé, j'ai réussi. J'ai, con el verbo avoir, y réussi, de réussir, lograr. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Mon dessin, mi dibujo. Mon dessin, mi dibujo. Bien sûr, claro está. Beaucoup moins, mucho menos. Beaucoup moins, mucho menos. Ravissant, hermoso, encantador. Mi dibujo era, claro, mucho menos hermoso, encantador que el modelo. El modelo era más hermoso, el principito. Pero su dibujo a mí no me parece tan mal. Es muy bonito el dibujo del principito. Sigo con la lectura. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne semblait ni égaré, ni mort de fatigue,
ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Ce n'est pas ma faute. Non, je coule pas mia. J'avais été découragée, había sido desalentado en mi carrera de pintor por las personas mayores. J'avais été découragée, esto es plus que parfait, porque se utiliza el verbo auxiliar a l'imparfait, j'avais, esto está a l'imparfait, termina por A-I-S, y por el verbo décourager, que está en tiempo passé, au passé. J'avais été découragée. Plus que parfait. Dans ma carrière de peintre, en mi carrera de pintor, par les grandes personnes, por las personas mayores. Les grandes personnes son las personas mayores, à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris. Et je n'avais rien appris à dessiner. Y nada había aprendido a dibujar. Je n'avais rien appris es plus que parfait. N'avais, à l'imparfait, et appris au passé. N'avais termina en A-I-S et appris es el verbo de aprender, apprendre. Sauf les boas fermés et les boas ouverts. Salvo las boas cerradas y boas abiertas. Je regardais cette apparition. Je regardais, c'est pas si simple. Cette apparition, esta aparición. Je regardais, termina por AI, pas si simple. Y el AI se pronuncia E, E, regardez. En el plus que parfait, se pronuncia E, comme j'avais. AIS se pronuncia E, j'avais. Avec des yeux tout ronds d'étonnement. Avec des yeux tout ronds d'étonnement. Con los ojos redondos de sorpresa o los ojos muy abiertos de asombro. Sorpresa o asombro. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. N'oubliez pas, no olviden que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Je me trouvais, n'oubliez pas que je me trouvais, es a l'imparfait. Termina por A-I-S y se pronuncia E, E. Je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme, se puede decir, oh, mais mon petit bonhomme. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue. Ne me semblait es à l'imparfait. Termina por A-I-T. Semblait, y se pronuncia E, E, semblait. Ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Ni égaré, que ni perdido, ni extraviado. Ni mort de fatigue, ni muerto de cansancio. Ni mort de faim, ni muerto de hambre. Ni mort de soif, soif, sed. Peur. Miedo. Il n'avait en rien l'apparence. Il n'avait, también es imparfait, en rien l'apparence
d'un enfant perdu. No tenía el aspecto o la apariencia de un niño perdido. Au milieu du désert, en el medio del desierto. A mil milles de toute région habitée. A mil millas de toda región habitada. Sigo leyendo. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à mille milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis, « Cuando al fin logré hablar, le dije. » Je réussis, es logré. Je lui dis, le dije. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Pero, ¿qué haces aquí? Et il me répéta, alors tout doucement, y me repitió, entonces muy dulcemente, il me répéta, es pas si simple. Tout doucement, muy dulcemente. Comme une chose très sérieuse. Comme una cosa muy seria. Comme une chose très sérieuse. Une chose es una cosa. Très sérieuse, muy seria. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Por favor, s'il vous plaît, por favor. Dessine-moi un mouton. Dibújame una oveja. Quand le mystère est trop impressionnant, cuando el misterio es demasiado impresionante, quand le mystère est trop impressionnant, le mystère es el misterio. Trop impressionnant. Demasiado impresionante. Trop es demasiado. Trop impressionnant. On n'ose pas désobéir. On n'ose pas désobéir. Uno no se atreve a desobedecer. On n'ose pas. On n'ose pas es una forma negativa. Ne pas. Y entre ne pas va el verbo. Aquí hay un apóstrofe porque el verbo empieza por O, una vocal. Nous. On n'ose pas désobéir. Désobéir es desobedecer. Aussi absurde que cela me sembla, por absurdo que aquello me parecía, aussi absurde, por absurdo o tan absurdo que aquello me parecía, aussi absurde que cela me sembla es à l'imparfait. Cela me sembla, me parecía. À mille milles de tous les endroits habités. À mille millas de todo lugar habitado. Endroit es lugar. Aquí está en el plural en francés, endroit, que no se pronuncia ni la T ni la S, es lugares,
habitados, habité, con S que no se pronuncia porque está en el plural, les endroits habités, lugar habitado. Ayant danger de mort, je sortis de ma poche. Y en peligro de muerte, en danger de mort. Danger de mort es peligro de muerte. Je sortis de ma poche, saqué de mi bolsillo. Je sortis es au passé simple. Je sortis. Une feuille de papier et un stylographe. Una hoja de papel y un bolígrafo. Une feuille de papier es una hoja de papel. Un stylographe, ya no se dice stylographe, se dice stylo. Stylo es como decir bolígrafo, un boli. Une feuille de papier et un stylographe. Una hoja de papel y un bolígrafo. Mais je me rappelais, alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Mais je me rappelais. Pero en ese momento recordé que yo había estudiado sobre todo geografía, historia, cálculo o matemáticas y gramática. Je me rappelais es en el passé simple. Recordé que j'avais surtout, surtout es sobre todo. Et je dis au petit bonhomme. Petit bonhomme es muchachito. Y le dije al muchachito. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, ya un poco malhumorado. Mauvaise humeur es mal humor. Que je ne savais pas dessiner, que no sabía dibujar. Sigo leyendo. Il me répondit, ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. » ¿Por qué el aviador se quedó estupefacto al oír al muchachito decir no, no, cuando vio el dibujo? No, no, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. No, no quiero un elefante dentro de una boa. Porque por fin alguien sabía reconocer su dibujo, que no era un sombrero, como las personas mayores decían que era un sombrero, pues el muchachito reconoció que esto no era un sombrero, que era una boa que se había tragado un elefante. Il me répondit, me respondió. Il me répondit, es passé simple. Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. No importa, dibújame una oveja. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, como nunca había dibujado una oveja, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable. Rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de hacer. Je refis. Rehice. Je refis es passé simple. L'un des deux seuls dessins. Uno de los dos únicos dibujos dont j'étais capable
que yo era capaz de hacer, dont j'étais capable, que yo era capaz de hacer, capable, capaz. Celui du boa fermé, el dibujo el de la boa cerrada. Et je fus stupéfait, y quedé estupefacto. Stupéfait, estupefacto. Je fus, est passé simple. Je fus quedé. Quedé estupefacto. Je fus stupéfait. Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Non, non, no quiero un elefante dentro de una boa. Je ne veux pas. Es una negación. Ne pas. Y el verbo va entre medio de ne pas. Je ne veux pas. No quiero. Un boa, c'est très dangereux. Una boa es muy peligrosa. En francés, boa es masculino. Un serpent boa. Y en español es femenino. Una serpiente boa. Entonces se dice una boa. Dangereux, très dangereux, muy peligrosa. Y un éléphant, c'est très encombrant. Y un elefante es muy grande, voluminoso. C'est très encombrant, es muy grande, voluminoso. Chez moi, c'est tout petit. En mi casa todo es muy pequeño. Chez moi es en mi casa. Chez moi, c'est tout petit. Todo es muy pequeño. Petit, pequeño. Sigo con la lectura. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement. Puis, non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. J'ai besoin d'un mouton. Yo necesito una oveja. J'ai besoin. Necesito. Un mouton, una oveja. En francés, un mouton es masculino y en español es femenino. Una oveja. Alors, j'ai dessiné. Así que dibujé, il regarda attentivement, puis él miró atentamente. Después, il regarda, es passé simple. Attentivement, atentamente. Il regarda attentivement. Puis, después, non! Celui-là est déjà très malade. Non, esa ya está muy enferma. Fais-en un autre. Haz otra. Fais-en un autre. Je dessinai. Volví a dibujar. Mon ami sourit gentiment. Mi amigo sonrió gentilmente. Gentiment, gentilmente, avec indulgence, con indulgencia, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton. Mira bien, oh, no lo ves, no es una oveja. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton. C'est un bélier. Bélier, carnero. Es un carnero.
C'est un bélier. Il a des cornes. Tiene cuernos. Cornes, cuernos. Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Je refis donc encore mon dessin. Rehice otra vez mi dibujo. Je refis, rehice. Mais il fut refusé, comme les précédents. Pero fue rechazado igual que los anteriores. Il fut refusé. Fue rechazado. Refusé, rechazado. Comme les précédents, précédents anteriores. Comme les précédents, igual que los anteriores. Celui-là est trop vieux. Esta es demasiado vieja. Trop vieux, demasiado vieja. Trop demasiado. Je veux un mouton qui vive longtemps. Quiero una oveja que viva mucho tiempo. Qui vive longtemps. Que viva mucho tiempo. Longtemps, mucho tiempo. Alors, faute de patience, entonces, falta de paciencia, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, como estaba ansioso por comenzar el desmontaje de mi motor, démontage, desmontaje. Je griffonnais ce dessin-ci. Garabaté este dibujo. Griffonné, garabaté. Je griffonnais. Ce dessin-ci, este dibujo. Et je lançais, et les larguais, o y le dije. Et je lançais. Ça, c'est la caisse. Esta es la caja. Caisse, caja. Caisse. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. La oveja que tu quieres está dentro. Le mouton que tu veux, la oveja que tu quieres, est dedans. Está dentro. Dedans, dentro. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Mais je fus bien surpris. Pero quedé muy sorprendido. Je fus quedé. Je fus espacé simple. Surpris, sorprendido. De voir s'illuminer. Al ver iluminarse le visage de mon jeune juge. Le visage, el rostro de mon jeune juge, mi joven juez. Jeune, joven juez. Juge, mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais.
C'est tout à fait. Es exactamente. Comme ça que je le voulais. Como lo quería. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? ¿Crees que le haga falta mucha hierba a esta oveja? ¿Crois-tu qu'il faille, que le haga falta? ¿Crees que le haga falta? ¿Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe, mucha hierba, herbe, hierba? Beaucoup, mucha, beaucoup d'herbe, mucha hierba, à ce mouton, à esta oveja? Pourquoi? Porque? Parce que chez moi c'est tout petit. Porque en mi casa todo es muy pequeño. Chez moi es mi casa. C'est tout petit, todo es muy pequeño. Ça suffira sûrement. Seguramente alcanzará. O seguramente será suficiente. Ça suffira es será suficiente. Sûrement, seguramente. Je t'ai donné un tout petit mouton. Je t'ai donné es passé composé. Te he regalado un tout petit mouton, un cordero pequeñito. Si, también se puede decir cordero. Una ovejita pequeña, un cordero. Un petit mouton, cordero. Entonces, queda en masculino la frase. También, je t'ai donné un tout petit mouton, te he regalado un cordero pequeñito. Il pencha la tête vers le dessin. Inclinó la cabeza sobre el dibujo. Il pencha es pasé simple. Inclinó. La tête vers le dessin. La tête es la cabeza. Le dessin, el dibujo. Pas si petit que ça. No tan pequeño. Pas si petit que ça. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Mira, se ha dormido. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Y fue así como conocí al principito. Et c'est ainsi, y fue así, que je fis, es passé simple. Conocí, la connaissance du petit prince, conocí al principito. Aquí se termina el segundo capítulo del Le Petit Prince. El cuento Le Petit Prince. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco largo porque he hecho todo el capítulo y claro, con las explicaciones se hace un poco largo. Igual los próximos capítulos haré más el vocabulario, porque la gramática para los que me siguen es un poco difícil. Mejor hacer clase de gramática. Puedo coger los verbos que han salido en este cuento y os explico la gramática aparte, porque si no se hace muy largo. Pues nada, espero que os haya gustado y como siempre os digo, cuídense mucho. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Hasta la próxima.